Hello, j'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne année. C'est la première vidéo que je fais, donc bonne année. Aujourd'hui, on se retrouve pour un weekly vlog. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne, donc ça, je vais filmer toute ma semaine. Enfin, peut-être qu'il y a des jours où je vais pas filmer. Enfin, je sais pas. On verra comment j'organise, mais je vais essayer de filmer toute ma semaine. On est à la moitié de ma première semaine de vacances. Là, on est jeudi, et donc là, c'est ma première semaine de vacances après mes examens. Aujourd'hui, je pars voir une amie qui habite à Lessines. Lessines, c'est la ville où j'habitais en fait avant de venir à Bruxelles. Donc, je ne suis pas une vraie bruxelloise, loin de là. J'ai vécu en fait toute mon enfance à Bruxelles, à Lessines, et je suis venue sur Bruxelles quand je suis rentrée à la première université, donc en 2017. Donc j'avais 19 ans, mais enfin, je revenais toujours sur Lessines parce que ma mère elle habitait toujours là. Donc à Bruxelles c'était genre que pour côté. Et ensuite ma mère elle a déménagé sur Bruxelles, donc là on est tout le temps sur Bruxelles. Et là je retourne à Lessines voir mon amie. Lessines donc c'est une mini ville, c'est une ville, mais en fait le truc c'est un village. Mais enfin voilà, tous mes souvenirs sont là-bas moi. Et en fait j'allais en secondaire à l'école à Hatte, qui est la ville juste à côté. Et pour aller à Lessines, il faut passer par Hatte. Et à chaque fois que je vais à Hatte, j'aime trop. Enfin, je sais pas, ça me rappelle. Enfin, c'est là que j'ai grandi en fait. Ça me rappelle trop mes secondaires, la réto et tout. Enfin, je sais pas. J'aime trop. Du coup, voilà. On y va. Bon, je suis arrivée saine et sauve chez Uriel. On dirait un ange comme ça avec le fond. Et j'ai failli me perdre, le bus il a fait une déviation et tout. Mais voilà, j'y suis. Après combien de mois, punaise? Je crois juillet. Mais non, c'était quoi? Ah non, c'était parti au musée. Septembre. Après, depuis septembre, on s'est plus vu. Putain, on voit que les cours commencent. Ça date. You make everyone look like they aren't anyone. Cancels every day, night stays home, never leaves, just can't find the energy. I stay pretty numb, never felt for anyone. You seem similar, always end up getting hurt. Voilà, ma pote elle a une Alexa. J'avais jamais vu ça. Alexa, c'est ça, ben si Alexa. Echo Dot, mais ouais. Amazon Alexa. Bon, ouais, Alexa. Il est quelle heure? Il est 17h14. Je peux vous donner la météo à une heure spécifique de la journée. Demandez-moi simplement quelle est la météo à 22h. J'espère que votre journée a été agréable. Non, ça vient pas. La meuf me tape la discute, elle est pire que Siri. Oui, genre c'est mon anniversaire aujourd'hui. Alexa, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Mais non. Joyeux anniversaire. Joyeux Mais non. Anniversaire, joyeux anniversaire. La technologie, ça va trop loin, ça pour moi. Je la quitte. Au revoir. Ok, donc là je suis rentrée sur Bruxelles, il est 13h30 et quelques. Je vais aller à l'église parce qu'en fait je dois filmer des trucs. Parce que je m'occupe un peu de la communication de l'église et tout. Avec une équipe et on doit filmer des trucs pour un événement et tout ça. Et je suis un peu à la bourre. On a mis 1h30, je suis fatiguée, j'ai faim, j'ai soif,
Et voilà, je rentre chez moi. I've never seen something quite like you. And you know what for conversation? Always running out of patience. I like to think that we're the same. I don't even know your name. All I'm really trying to say is I've never seen something quite like you. Salut. On est samedi 12h46. J'avais rendez-vous avec ma cousine ici chez moi à midi. Elle est en retard comme d'hab. Toujours en retard, c'est pas possible. Donc en fait là on doit aller faire des photos ensemble parce que je vais reprendre mon Instagram puisque j'ai plus posté depuis les examens. Et on va recommencer dans une routine. En fait l'idée c'est que ensemble une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines on aille faire des photos. Et du coup j'ai dit c'était le premier jour, mais cette meuf toute sa vie elle est en retard, soit c'est pas grave. Et voilà, du coup là je vais arranger mes vêtements, que je repasse tout, que je range ma chambre parce qu'elle est sans dessus dessous. Et voilà, et que je fasse mes cheveux aussi. Donc salut les gars, moi c'est Pindol, je suis à l'heure. Elle a dit que j'étais en retard mais c'est faux. Non je suis en retard. Mais c'est parce que j'ai plus de téléphone. En fait j'ai un téléphone mais j'ai plus de chargeur. Donc je devais faire charger mon téléphone. Et j'ai pas su me réveiller à l'heure. Et c'est tout en fait. Donc j'espère que vous allez bien. Bon, 2 heures après, on sort. Il est 15h. Enfin on y va. Oh là là, cette vie. Je comprends pas sa vie. C'est pas normal d'être comme ça. Mais... En fait, depuis que j'habite à Bruxelles, je suis tout le temps en retard. Parce que Bruxelles, t'as le temps. Non, t'as pas le temps. Si, si, en Flandre. Tu vois le bail en Flandre. C'est que t'as pas le temps. Les ouais, si tu rates le bus. Ouais, c'est comme elle est signe. Si tu rates le bus, c'est terminé. C'est terminé, tu vois. Ouais, mais ici, tu rates. Après, t'es quand même en retard. T'es en okay. retard, mais t'as le temps. Tant pis. On y va. We got the whole world that we sitting on top of. View is priceless, nobody indecisive of our future. We got the whole world that we sitting on top of. View is priceless, nobody indecisive of our future. We got the love, got the vision. We got the truth that we bring with it. Donc je me suis changée là-bas dans le coin, là-bas, voilà. Et là on va changer de, on va bouger en fait parce que j'aimerais avoir des photos dans un lieu différent pour pas que ce soit trop redondant. L'appareil photo, je pensais qu'il était chargé, j'avais vu que la batterie était à fond et tout, mais en fait pas du tout. Il reste littéralement une barre, donc... Félicitations. Merci, on va tenter quoi, on verra. Fait les gaufres. En fait de base c'était ça, il reste un fond, c'est une pâte à beignets qui n'a malheureusement pas bien monté. Du coup ma maman a dit bah on va pas l'acheter quoi, on va pas gaspiller. C'était jusque là hein, qu'elle était la pâte, elle a pas assez monté pour faire les beignets. Du coup on fait des gaufres avec et bon ça a pas le goût de la gaufre, ça a le goût du beignet du coup, mais moyen de pas gaspiller la pâte quoi, voilà. Thank you.
Bonjour tout le monde, nous sommes lundi, je sais plus combien je mettrai la date, enfin, je pense que c'est lundi 25. Et aujourd'hui, bah, c'est un peu comme hier, c'est une journée chill, je vais pas faire grand chose. Je vais enlever le sapin. Je vais aussi imprimer des trucs pour faire mon vision board. Je vais profiter de l'imprimante pour imprimer ça. Continuer le montage de cette vidéo, du vlog, comme ça j'ai déjà bien avancé, comme ça sortira rapidement. Je suis en train de préparer ce que je vais imprimer pour les vision board, mais il y a un problème avec l'imprimante. Elle imprime un peu en rosé comme ça. Soit, c'est pas grave. Et il va l'imprimer ça, mais c'est beaucoup trop grand parce que je pense que je vais faire mon vision board, ça va juste être 2 feuilles A4. Donc là, c'était beaucoup trop grand. Je comprends pas pourquoi c'était sorti rose. Bizarre, je sais pas ce qu'elle a l'imprimante, mais c'est pas grave. Je vais pas gaspiller, je vais quand même garder. J'aurai un vision board dans mes tons roses et voilà, c'est pas grave. Bonjour, aujourd'hui on est mardi et aujourd'hui je dois aller au musée avec une amie. On va au musée de la mode et de la danse, c'est un musée que je voulais faire depuis longtemps. Et voilà, comme dans cette période il y a que les musées et les magasins qui sont ouverts, ben on va au musée. Et voilà, on a rendez-vous à 13h, donc j'appartiens d'ici vers midi 20. Et là, il est 10h30 et quelques, 10h40, donc j'ai encore le temps. Voilà, aujourd'hui, j'en ai musée. Grosse activité dans le musée. Ça mise comme des enfants. N'importe quoi. Like we got shit to do. It tastes like whiskey. Kissing you, don't say you miss me. I'll miss you too. I need Visine. Got too high, got hit by the high beam. Fuck VIP. I know nobody in the club's gonna like me. Just shut up and listen. It's nice. Donc je suis avec Lina et Roman, sa sœur. Et donc on est parti au musée de la mode et de la dentelle. Et ensuite c'est juste à côté de l'épisode, donc on est passé au épisode. Et là j'ai acheté 2 trucs bien évidemment. Et elle aussi elle a acheté des trucs, on peut pas s'en empêcher. Et maintenant on fait un tour, on essaie de trouver la place en fait. Voilà. Salut, on est jeudi, je sais plus combien. Hier c'était mercredi et j'ai rien filmé parce que j'ai juste rien fait. J'ai travaillé pour mon mémoire, donc j'étais derrière l'ordi, j'ai rien fait, donc je me suis dit que c'était mieux de pas filmer. Donc aujourd'hui je vais voir des amis, on va juste se balader en ville, histoire de se voir parce que ça fait très longtemps qu'on s'est plus vu. Et je pense qu'on va aller faire quelques magasins, des trucs comme ça et tout, genre vraiment journée tranquille. Et techniquement le weekly vlog doit finir aujourd'hui parce que j'avais commencé jeudi passé, mais je me suis dit que comme demain j'allais à Bruges, je pouvais quand même le filmer. Et samedi aussi je fais un truc, donc bon, c'est ma chaîne, donc en soi je continue. Voilà, je continue encore 2 jours. Je pense que ça peut être intéressant et c'est des moments que j'ai envie de garder en vidéo, du coup ben voilà, je le fais parce que j'ai envie. Et il y a encore des travaux bien évidemment. Toujours des travaux ici. Donc ici là je suis rentrée chez mon frère. J'étais chez ma mère depuis le week-end là. Et voilà. Donc j'habite entre 2 endroits si vous voulez savoir. J'habite parfois chez ma mère, parfois chez mon frère. Voilà. Comme ça vous savez, en général quand je suis quand c'est pour les cours, je suis chez mon frère. Et chez ma mère, je retourne le week-end. Et les vacances, je les passe chez ma maman. Voilà. Donc c'est un peu un code ici.
Voilà, voilà, comme ça vous savez. J'ai retrouvé une partie de mes amis. Ciao. Les deux jeunes ensemble. Et Marie Cynthia. Et là on attend encore trois personnes et, ouais. Et voilà. Donc elle c'est ma jumelle. Voilà. Les stars sont là. C'est bon. Salut. My love, my one. Alors, le truc au matcha, c'est bon ou pas réellement? Mais je sais pas, j'ai jamais goûté. Ah, t'as jamais goûté? Non. Ça, c'est la vraie question. Ça a l'air dégueulasse. Mais non, mais j'ai envie. Ne fais pas. C'est pas bon? Oui, j'en ai non. Déjà bu. Exquis, j'ai bien aimé. C'est pas bon. Exquis, évidemment. C'est... Donc, Sophia, c'est bon ou pas? Non, c'est pas bon. Mais ouais, mais tout le monde sur Instagram est là. Mon truc au matcha. Ça, c'est dégueulasse. Mais ça sent le poisson. Mais ça se voit que c'est dégueu. Rien que l'allure. Ah. Donc, on est à la friperie. 15 euros le kilo. Allez voir ma vidéo friperie de Bruxelles. Il y a les adresses là-bas et voilà. Oui. On fait un petit tour. Voilà. J'ai gardé ma. Ta frange ratée. Ouais, ça va. Ça. Ah non, c'est pas tout. Vous voulez de la mayonnaise? Voilà à quoi on en est réduit à manger dans un couloir qui mène à un parking visiblement. Je me sens. Allez. Je veux pas fort. Non. Allez, go, bon app. Allez, petit blind test. Elle a vu qu'elle était chez elle, elle a mis sa musique. Elle donne bien. Tu vas l'acheter? Elle veut le prix, 139 euros. Allez. Non, mais... Bon, je suis rentrée. Je voulais vous montrer en fait ce que j'ai reçu parce que avant de partir, j'étais partie chercher mes commandes. J'ai reçu cette ceinture. J'avais acheté sur Zalando, je pense que la marque c'est Zig. Et je dois quand même refaire un bouton parce que là c'est pas assez serré. Faudrait que j'aille chez un cordonnier qui me fasse encore un bouton. Mais voilà. Pour cette pièce là je suis très déçue, j'avais commandé un sac, je pensais que ça allait être plus grand. Regardez la taille du sac s'il vous plaît. Donc voilà à quoi ressemble le sac, je pense qu'on a tous compris pourquoi je suis déçue. Il est minuscule les gars, je vais faire quoi avec ça? Regardez ça, même mon bras il passe pas. Mais what, c'est pour les enfants ou quoi? Donc ça je vais renvoyer direct, je suis trop déçue. Voici ma main, voici le sac, comme ça vous avez une vraie idée. Il sert à rien, il sert à rien le sac. Ensuite on a ce blazer, je l'aime trop. Il est super beau. Donc en fait il y a un bouton ici, il y en a aussi à l'intérieur. Et ensuite il faut resserrer à la taille avec donc, la ceinture qui est intégrée. Et franchement il donne trop bien. J'ai déjà avec le jeans. J'aime bien l'effet que ça donne. Donc mardi à épisode j'avais acheté cette chemise là. Je l'aime trop, elle est trop belle. En velours côtelé comme ça. Et j'ai aussi acheté un pantalon. Je le mets pas, je suis fatiguée. J'ai la flemme mais voilà. C'est un pantalon comme ça. Il m'a coûté 25 euros, la chemise c'était 17,50. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonjour, aujourd'hui on est vendredi, combien? 29. Et aujourd'hui je suis chez Zoé Kizako, qui ne veut pas montrer sa tête. Donc voilà, mais on passe la journée ensemble et je suis essoufflée. Elle habite à l'autre bout du monde. Du coup, on va faire quoi? On va faire des photos pour un article sur le blog et on va manger, chiller et essayer de trouver des pépites dans sa garde-robe pour changer un peu son style. Voilà, vous la verrez pas mais vous allez être triste, franchement vous ratez une beauté. Donc là, l'objectif, c'est de trouver à cette jeune demoiselle dont vous ne verrez pas la tête, enfin des looks simples avec ce qu'elle a dans son garde-robe, dans sa garde-robe pardon, des trucs auxquels elle n'aurait pas pensé tout simplement en fait. Voilà, ça va être ma petite mission du jour. À savoir que nous n'avons pas du tout le même style, donc voilà, on va essayer. Du coup, là, on est parti sur la base de son jeans noir et il y a cette veste. Que, voilà, avec des Doc Martens, avec un caracol noir et cette veste que j'aimais pas du tout, que je trouve très mémérisante, mais sur un truc totalement noir avec un caracol et des Doc Martens, ça le fait mieux, je trouve. Je trouve que c'est plus beau. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le dernier jour de vlog. Aujourd'hui, je suis chez Noémie, la star
Bonjour, c'est en train de faire de la tenue. Et on fait un brunch chez elle dans son cot, qui est un appartement magnifique, style haussmanien. Pas du tout. Pas du tout au moins. Non, mais il est beau. Et on attend les autres et tout, on doit aller faire les courses. Voilà quoi, petit brunch en perspective. Quand je filme, tu vois. Ah, pardon, Marie. Voilà. On va laisser passer le monsieur. Ah, mais hé, ça va, casse les trucs ici, elle. J'ai pas fait exprès, c'est pas comment j'étais. Franchement, je suis gênée. Hein. Je suis gênée. Le brunch, il est 15h, les gars, on a toujours pas mangé. 15h10, on a toujours pas mangé. Moi j'ai fait des churros, Noémie elle a fait des crêpes, elle s'est brûlée. Laurence elle a rien foutu, c'est pas grave. Marinité elle a fait des muffins, on est parti faire les courses tous ensemble et tout, enfin soit. Là on va manger et tout. Mes churros, ceux qui regardent mes stories Instagram, vous vous souvenez que j'avais fait des churros une fois et je n'avais pas de poche à douille. Donc mes churros on les a critiqués, on a même dit qu'ils ressemblaient à du poulet. Cette fois on a fait avec une poche en plastique. Et ouais, c'est toujours pas ça. Faut vraiment que j'achète une poche à douille en fait, mais c'est bon, mais c'est toujours pas ça. Donc faut que j'achète une poche à douille, ça c'est le prochain achat. Donc voilà. Les gars, dites au revoir au vlog. On va clôturer. Regardez, elle s'est brûlée la pauvre avec sa main dans. Je trouve ça. Dis au revoir Noémie. Au revoir. Laurence. Au revoir. Attends. Et c'est donc ici s'achève le vlog. C'était une chouette semaine. J'espère que ça vous a plu et peut-être que je referai. Bon, pas tout de suite parce qu'honnêtement lundi on retourne tous derrière notre bureau à suivre des cours en ligne. Donc il n'y aura rien d'intéressant. Non. Mais moi j'ai bien aimé faire ça et j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé regarder. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Instagram et d'aller voir le mon blog. J'aime, on n'oublie pas. Oui, on met un bisous. J'aime. Salut.